Mettez du savon dans la cuvette des toilettes et vous me remercierez pour toujours. C'est très commun, même après avoir fait nos besoins, une partie des excréments se colle aux toilettes, le problème même est lorsque nous avons fini de nettoyer la salle de bain. Mais avec cette astuce rapide et facile, vous nettoierez facilement, et vous ne laisserez plus jamais la saleté derrière vous. Pour commencer, je vais utiliser un masque jetable, je vais le faire de deux façons différentes, vous pouvez le faire de la manière que vous trouvez la moins chère, mais nous avons tous une paire de chaussettes à la maison, ou bien un masque jetable. Je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux, où je vais couper un côté du masque, en ne gardant qu'une partie, donc j'aurai une partie pour me soutenir, si j'ai des questions, juste suivre la vidéo. Après cela, je vais mettre un savon à l'intérieur, vous pouvez utiliser le savon de votre choix, en vous rappelant qu'il aidera également à l'arôme dans votre salle de bain car il aura un contact direct avec l'eau que nous utilisons dans les toilettes. Je vais vous montrer les deux façons d'utiliser cette astuce aujourd'hui. Pour cela, nous devons mettre directement dans le réservoir de la cuvette des toilettes, nous allons d'abord retirer le couvercle, puis utiliser la partie support pour laisser notre pointe coincée, et ne pas couler complètement dans l'eau. Après avoir mis, avant même l'utilisation, nous devons laisser 5 à 10 minutes pour commencer à agir en contact avec l'eau. Enfin, il suffit de donner la décharge, et frotter les toilettes avec la brosse, il est très pratique, et peu coûteux, il facilitera votre vie quotidienne. Avec cette astuce, l'eau aura un contact constant avec le savon, et lors de la décharge, il sera beaucoup plus pratique d'enlever toute saleté. La deuxième façon de préparer ce tour, c'est avec une chaussette. Le mode d'emploi est simple, et si vous n'avez pas de vieilles chaussettes chez vous, avec le masque jetable, ce sera moins cher à préparer. Il suffit de faire une coupe sur l'un des bouts de la chaussette, puis d'ajouter le savon. Et pour terminer, il suffit de faire un nœud pour fermer l'ouverture de la chaussette et vous serez prêt à l'utiliser. Et avant que j'oublie, dis-moi quelle ville tu regardes pour que je t'embrasse. Le câlin d'aujourd'hui va à Jennifer Phipps, de France. Je suis heureux que vous aimiez nos conseils. Pour une utilisation ultérieure, il suffit de le placer dans le réservoir et de le laisser 5 à 10 minutes avant utilisation. Je suis sûr que vous me remercierez pour l'utilisation de ce conseil. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'ici. Je vous verrai dans la prochaine vidéo, au revoir.